Avec presque tous les votes enregistrés, l'ANC au pouvoir devrait boiter avec une majorité réduite, mais des défis difficiles s'annoncent à l'horizon. 1. L'ANC a perdu du terrain mais fait la fête. Nombreux sont ceux qui se demandent pourquoi le Congrès national africain, ANC, au pouvoir est heureux après avoir enregistré sa pire performance depuis la fin du règne de la minorité blanche en 1994. 57% des voix. C'est la première fois que le parti qui dirige l'Afrique du Sud depuis 1994 remporte moins de 60% des voix, mais pour une organisation extrêmement divisée, criblé de corruption et qui a connu une décennie de leadership léthargique, ce résultat est considéré comme un coup de pouce pour son nouveau dirigeant Cyril Ramaphosa. Monsieur Ramaphosa a pris la tête du parti en décembre 2017, après que l'ANC eut limogé Jacob Zuma, impliqué dans des allégations de corruption, qu'il nie. L'un de ses principaux membres, Fikile Mbalula, a déclaré que la part des voix du parti aurait probablement chuté à 40% si son leadership n'avait pas changé. Le peuple sud-africain a peut-être donné à l'ANC le mandat de diriger, mais il n'est pas inconditionnel. La dernière décennie a porté atteinte à la réputation du parti et a aliéné des millions de Sud-Africains qui attendent désespérément que leur situation s'améliore et qui avaient fait confiance à l'ANC pour le faire, mais leur situation a empiré. La croissance a été lente ici, des millions de personnes sont au chômage et la société reste extrêmement inégale. Monsieur Ramaphosa commence à présent à jongler avec la tâche difficile de rétablir la confiance dans son gouvernement et, plus important encore, de tenir sa promesse de lutter contre la corruption. L'ANC a été accusée de faire passer sa propre survie avant les intérêts du pays. La manière dont M. Ramaphosa choisit son cabinet sera la première indication pour montrer que cela a changé. Appel à dissoudre le Parlement sud-africain AFSUD, les avoirs des Gupta bientôt gelés AFSUD, l'ANC célèbre les 100 ans de Mandela. Il s'agit là d'un résultat difficile pour la principale alliance démocratique, DA, de l'opposition, un résultat meurtrier, ont dit certains. Certains analystes ont dit que l'alliance démocratique n'avait pas non plus réussi à s'imposer auprès de la population noire d'Afrique du Sud. Le parti est toujours considéré au sein de la communauté noire comme un parti blanc, protégeant les intérêts des blancs, ce que son chef noir Musi Meman s'efforce de réfuter. Commentant le résultat, M. Meman a déclaré que le parti a besoin d'une auto-réflexion, mais a ajouté que l'AT refuse d'être un parti pour une race. D'autres membres de haut rang ont été plus audacieux, déclarant que l'AT n'est pas un parti pour les racistes, faisant allusion au fait qu'il est mieux loti sans le soutien de ceux qui ont des sentiments racistes profondément ancrés. Mais après avoir été accusé par VF+D d'essayer d'être tout pour tout le monde, le parti a des décisions difficiles à prendre et devra être clair sur les points sur lesquels il veut concentrer ses énergies. L'Economic Freedom Fighter, F, qui veut s'emparer des terres appartenant aux Blancs sans compensation et nationaliser l'énorme industrie minière, a été l'un des partis qui a connu la plus forte croissance lors de cette élection, augmentant sa part du vote de 6% à 10%. L'EF, avec son leader pas d'absurdité Julius Malema, parle toujours d'un grand jeu. Au cours de la campagne électorale, les représentants se sont appelés le gouvernement en attente. Ils en sont bien sûr loin, si l'on en juge par l'écart énorme entre la base de soutien de l'EF et celle de l'ANC, mais il est indéniable que le message de l'EF d'être un parti pour les pauvres et la classe ouvrière a résonné et qu'il a trouvé une base de soutien auprès des mécontents. Le parti a été accusé de populisme et de rhétorique de division par les partis les plus modérés en Afrique du Sud. Il sera donc intéressant de voir comment il maintiendra sa base de soutien au cours des 5 prochaines années. Lire également, AFSUD, un livre sur Zuma sujet à polémique. AFSUD, le Parlement rompt le contrat de KPMG. AFSUD, le fils de Zuma accusé de corruption. L'une des plus grandes surprises a été la croissance du Freedom Front Plus, VF+. Le parti majoritairement africanaire, qui dit se battre pour les droits des groupes minoritaires, a doublé son soutien, à environ 2%, ce qui en fait le cinquième parti le plus important au niveau national, derrière le principal Zulu Inkatha, parti de la liberté. Il y a 5 ans, VF+ a été perdu dans l'obscurité. Alors pourquoi et comment s'est-il développé ?
Selon une théorie, la question controversée de l'expropriation des terres sans indemnisation, vantée par l'ANC et l'EF, a poussé certains partisans de la DA vers ce parti plus dur parce qu'ils craignaient que la DA ne protège pas leurs intérêts. Le débat sur l'expropriation des terres a également encouragé les membres actuels de VF+ à aller voter. Leur message était simple, les Africanés blancs sont assiégés et doivent protéger leurs intérêts en tant que groupe minoritaire en Afrique du Sud. Les partis politiques sud-africains doivent tirer de dures leçons, avec la participation électorale qui est à son plus bas niveau depuis l'avènement de la démocratie en 1994. L'apathie des électeurs est la première, une partie de la population a perdu confiance dans les dirigeants politiques du pays tout et a donc choisi de rester à distance. La leçon est peut-être que les dirigeants ont besoin de nouveaux moyens d'attirer les électeurs, en particulier les jeunes Sud-Africains, dont 6 millions ne se sont pas inscrits pour voter. Il serait trop simpliste de laisser entendre que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique ou à ce qui se passe dans le pays. Ils sont les plus durement touchés par la montée en flèche du chômage et ont été à l'avant-garde des protestations qui contestent le statu quo. Ce que cette élection générale nous a montré, c'est que même si les jeunes Sud-Africains sont actifs dans la société civile, cela ne se traduit pas par le processus formel du vote.